Rencontre mensuelle des étudiants au Tamari des universités de Parakou. Cette initiative vise l'épanouissement socioculturel et intellectuel des membres de cette communauté. Elle dure depuis des années et malgré les affres de la COVID et les exigences universitaires, les membres de son bureau exécutif se retrouvent pour ne pas perdre le fil des projets. Le premier point, c'est d'abord le rapport de la dernière séance et la présentation des meilleurs vœux du nouvel an. Et le point 2, nous avons abordé la question de l'organisation d'un groupe folklorique au sein de l'université. Et le troisième point, nous sommes en train de parler de la cotisation pouvant intervenir dans le secteur financier de l'association. Et le quatrième point, c'est les divers. Dévoués plus que jamais, les étudiants Otamari tiennent à faire rayonner leur cercle au sein de l'université et même au-delà. L'accompagnement de l'administration universitaire serait un atout. Je suis très fière de participer à la réunion et aussi je suis très fière par rapport aux points sur lesquels on a discuté. Mes souhaits que j'aimerais que les autorités nous aident à faire, c'est de nous aider par rapport au développement de l'association. À la communication, par exemple. Avant, on faisait les débats sur la radio concernant notre association. Et aussi, on n'a pas un grand nombre qui vient pour les réunions. Il faudrait que les autorités nous appuient par rapport à leurs actions. Comme ça, les gens vont sentir notre présence dans le campus. En dehors des objectifs sociaux, cette association vise à unir les étudiants de la communauté Otamari au sein des universités, promouvoir la culture ancestrale au sein des universités et créer un lien d'entraide entre les étudiants de cette même communauté. Abonnez-vous à la chaîne MP Vision TV et activez la cloche de notification pour ne plus rater nos vidéos.